ce spectacle donc qui s'appelle Ils nous ont oubliés. C'est une adaptation d'un roman de Thomas Bernhard qui s'appelle La Plâtrière. C'est un roman de jeunesse. Il écrivait des chroniques judiciaires, lui, à l'époque où il a écrit ça. Et puis, donc, c'est un espèce de mélange entre tous les thèmes, tous les embryons des thématiques que Thomas Bernhard va traîner durant toute sa vie et puis qui vont se développer dans sa littérature, mélangé à une espèce de grosse farce sordide qui est un fait divers affreux. Donc voilà, le spectacle relate cette histoire qui est entre une reconstitution de crime et une enquête, et puis avec des pigeons. On lit le roman une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on reprend un bout, cinq, six, sept, huit fois. Et moi, j'ai commencé les répétitions, j'avais les 224 pages du livre dans la tête. Et donc ensuite, on ne travaille qu'en improvisation. La lumière improvise, la vidéo improvise, le son improvise, les acteurs improvisent. Forcément, durant l'improvisation, il y a un moment, tu ne sais pas trop pourquoi, tu reviens à l'esprit, comment il disait ça dans le bouquin, et tu formules une proposition qui est à peu près ce que Thomas Bernhard a dit à cet endroit-là. Tout ça est filmé, on peut le revisionner, et on navigue comme ça, et on construit le spectacle de manière très... Le spectacle, il naît, en fait. Il naît de ce qui reste, d'un résidu d'improvisation complètement folle, quoi. C'est génial de retravailler un auteur, de se déplacer avec la langue. On entre dans une littérature et on se dit « Ouais, ok, c'est comme ça que ça se passe. Ah, d'accord, on s'approprie les choses, etc. » Comme dans une maison de vacances, quoi. Et puis, un jour, tu y retournes et tu fais « Ah, ça, ah ouais, on va se marier parce que, ah ouais, c'est vraiment comme ça. » Les systèmes d'écriture, les logorées, les ressassements, tout ça, en fait, tu les retrouves et c'est comme un... Ah, c'est très, très agréable de pouvoir improviser à la manière de Thomas Bernhard, de pouvoir se déplacer dans sa logique, dans sa pensée, dans sa manière de voir le monde. C'est très, très agréable. C'est l'histoire d'un homme qui s'enferme dans une ancienne usine de plâtre, désaffectée, une usine de chaux, avec sa femme infirme. Il rassemble un énorme stock d'armes à feu parce qu'il a peur de l'élément étranger. Il s'isole dans cette ancienne plâtrière comme ça, avec des carrières, le lac, on a l'impression de cette humidité, espèce de climat, etc. Parce qu'il a dans la tête, depuis 20 ans, il travaille intellectuellement depuis 20 ans à l'élaboration d'un ouvrage colossal, un ouvrage médico-scientifico-biologico-philosophico-musicologique-mathématique sur l'ouïe, sur le son. Et depuis 20 ans, il n'a jamais réussi à écrire ne serait-ce qu'un mot. Et jour après jour, évidemment, il n'y arrive pas. Et puis c'est beau parce que ça parle de l'impuissance de l'artiste à la création, face à la création, mais ça dépasse aussi le cadre artistique, c'est-à-dire n'importe qui procrastine ou qui n'arrive pas à travailler, qui cherche de la diversion. Moi, il y a un moment où je devais apprendre mon texte un petit peu et je le faisais pas. Et je me disais, je travaillais pas. Et je me disais, ouais, mais au fond, là, je travaille. Je travaille parce que je travaille pas, quoi. Du coup, ça me rapproche du personnage. Bon, faut pas faire ça trop longtemps, parce qu'en effet, ça avance pas. Et en même temps, ça parle de tous ces gens qu'on a tous croisés et dont on fait partie aussi, qui te disent un soir, très intimement, mais un jour, je vais écrire tout ça. Et là, les gens y comprendront. C'est juste les prémices du personnage bernardien qui va écrire, c'est-à-dire le génie, le fou, le tyran, le visionnaire, l'artiste et le tortionnaire, et l'enfant, c'est la même personne. C'est
C'est une comédie, c'est en permanence, c'est bouffon, c'est débile. Dans cette âpreté des oiseaux, de la vidéo, ces chiens qui aboient, cette neige, ces bois, cette plâtrière, avec cette chaux, la chaux, c'est corrosif. Et donc c'est vraiment assez macabre, assez sordide, et à l'intérieur, c'est une farce énorme. Les gens prennent Thomas Bernhard pour quelqu'un de très sombre, etc. Moi, je pense que j'aurais adoré passer des week-ends avec lui. Et toujours, c'est très, 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 très drôle comment ils se mettent en boîte, comment ils se parlent. C'est toujours très. C'est plein d'amour, quoi. En fait, c'est beau parce que quand tu lis La Plâtrière, c'est un livre assez drôle et puis tu lis avec plaisir, etc. etc. Et dès qu'on a commencé à le monter, on s'est fait, c'est Shining, quoi. C'est Shining. C'est comment il va en arriver à tuer, en fait. Donc, c'est une sorte d'enquête policière. En plus, c'est perdu au fin fond de la montagne, etc. Donc, très rapidement, ça arrive. Qu'il y a des espèces de résonances parfois. 95% des crimes commis dans la région sont des crimes crapuleux, violents, non élucidés. Nulle époque ne peut, autant que la nôtre, être appelée avec plus de justesse l'époque des crimes violents. Il écrit ça, Bernhard, la sensation, l'état, le sentiment, il résonne en toi. Donc toi, tu es dans le monde actuel. Donc en fait, ça ne fait que de parler du monde actuel. Évidemment, ça ne parle que de sentiments paroxystiques, d'exaltation, de tension au travail, etc. Très vite, on peut rentrer dans une espèce de vélocité, de tension nerveuse, etc. Et en fait, le spectacle propose de voir, mine de rien, un quotidien qui pourrait durer des années. Donc, c'est ça le travail le plus compliqué, je crois, c'est de ralentir pour dire aux spectateurs, attention, vous n'assistez pas du tout à une journée particulière. Vous assistez à toutes les journées. Et c'est tous les jours comme ça. Faut venir voir le spectacle, c'est 3 fois 1 heure. C'est facile. Une petite heure de spectacle, on se relaxe, 1 quart d'heure, on y retourne, on replonge. Pour 1h10, on se redétend et on se finit. Et on a une dernière partie de 45 minutes qui envoie. Ouais. Merci.